Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition d'Analyse dans Alain TV. À ce soir, nous avons le privilège pour nous rencontrer Mme Stephanie Balmir Vildrouin, qui est ministre du Tourisme en Haïti. Mme Vildrouin est de passage en Floride avec nous. Nous pourrons faire un coup de pied sur ce qui a gagné comme projet dans le ministère là aussi. Qui a gagné en termes de continuité de vastes programmes que l'on a initié depuis que l'on veut dans notre ministère, ça pourra bien sûr améliorer les infrastructures touristiques en Haïti et pourquoi pas attirer la grande foule des touristes étrangers. Madame Balmir, bonsoir, bienvenue sur Alain TV. Bonsoir Patrick, merci, encore un plaisir pour moi dans le panel, là, pour la caille nous, Miami et la caille Alain TV. Je salue les téléspectateurs qui toujours, Alain TV toujours accompagné tout sa ministère du tourisme a fait, tout sa gouvernement a fait, donc nous comptons avec nous à soins et nous saluons les téléspectateurs. C'est ça. En campagne de promotion pour Haïti à travers Roadshow, qui ça en monde qui a ce programme là, d'où connaît pas programme ça? Tout à fait. Semaine dernière, depuis année ça, nous venons en gens, nous l'autre stratégie pour nous faire promotion paysan. Après 3 ans, pour nous mettre en place infrastructure au niveau de sites naturels, l'hôtel a construit, aéroport a fait, cap haïtien ouvert. Donc là, nous venons l'autre approche au niveau de stratégie pour nous faire plus près consommateurs. Nous connaissons que l'Amérique du Nord et particulièrement les États-Unis sont grands marchés pour la Caraïbe. Ils représentent, je dis, plus de 60% de arrivées touristiques et qu'apprendre la Caraïbe venir des États-Unis. Donc, il était important pour nous, à l'instar de tout l'autre pays Caraïbe qui a pu recevoir touristes, lancer une campagne promotion TV. Donc, c'est dans ce sens que New York, en février dernier, nous avons lancé tout un programme pendant 4 mois, côté et Haïti, il y a à peu près 1800 ad TV dans des chaînes comme CNN, Headline News, Food Channel, News 12 et qui te permettent nous faire promotion paysan. Là, nous prenons la fin campagne qui va finir en juin et nous débutons à partir de semaine dernière une autre stratégie qui est en roadshow côté une équipe ministère du tourisme de département promotion accompagné de représentants du secteur privé. Donc, il y a un représentant KINAP, nous avons un représentant nouveau hôtel de Cameroun qui va inaugurer et en novembre, sous côte des Arcadins, nous avons un représentant Moulin-sur-Mer qui est là, avec l'autre représentant de l'association touristique d'Haïti. Côté, il a accompagné le ministère là, pour y aller dans sept villes dans les États-Unis pour y rencontrer avec des agents de voyage, des tour opérateurs, la presse spécialisée. Donc, et moi, je connais que nous avons une délégation qui était à le Missouri, côté que nous avons recevoir dans le centre d'Expedia, côté que nous avons présenté devant environ 300 agents qui ont même fait promotion. Et comment accueil a été et qui gens y ont réagi par rapport aux produits haïtiens? Mais Expedia, depuis 2 ans, le ministère du Tourisme a collaboré avec eux. Ils ont été rentrés en Haïti et ils ont été venus pour gagner plus l'hôtel qui a diffusé information et prix sur le site Expedia.com. Je dis, ils ont 50 hôtels qui listaient à travers le pays. Et ça te permet à agents touristiques, ministère du Tourisme et tout opérateur et privé, pour aller dans le headquarters Expedia, qui est Missouri, côté ils ont fait une présentation à 350 agents des agents de voyage. Et c'est eux qui normalement recevoir et toute doléance et clients qui reçoivent des appels s'il y a des clients qui ont besoin de plus d'informations. Donc, c'était une belle occasion pour nous vraiment parler d'Haïti parce que l'agence a parfois recevoir des appels d'Haïti. Mais pas qu'on est vraiment Haïti. Donc, c'est le rôle et ministère touriste pays pour aller vers et agence qui concourt des ambassadeurs pour nous et informer de qui ça gagne pour faire, qui ça gagne pour visiter, comment louer une machine en Haïti. Des questions clés que le plus souvent et clients cap book hôtel yo mandé. Donc c'est une belle expérience, c'est pour l'équipe là et toute idée c'est pour nous ca recréer pour ça, pour connexion, pour communication hein, pour nous ca continuer faire promotion et package touristique pays. Hein. Madame Stéphanie, mais qui ça nous espérer de campagne ça en termes de retombées pour ce secteur? Mais on connaît depuis début année hein, nous t'ai fait un accord stratégique avec Chip Caribbean. Chipcaribbean.com, je dis, Haïti listé le site Chip Caribbean qui vend déjà des forfaits touristiques pour l'autre pays vers la Caraïbe. Et il te permet nous tout et reprend accord avec Air Transat USA. Nous connaissons que Air Transat a vend déjà destination Haïti au Canada. Donc c'est une façon pour nous te reparler avec agents de voyage, parler avec la communauté haïtienne pour dire qu'il y a un pile raison
pour yon taka retourner en Haïti à le visiter, mais parfois yon pas d'information. Donc, li toujours important pour que le comité kap organisé, kap mette en place promotion, li aller vers marché sa yon pour informer yon, pour kembe yon à l'attente de tout ça qui nouveau, taka dit au niveau d'Haïti. M'kone nous pral parler là en Estapati, qui arrive ça par exemple en août, donc nous informer que nous pral un grand événement culturel, que faut yon rentrer, faire réservation à l'avance, mais hôtel qui gagne des forfaits spéciaux pour événement ça. Donc, retombe au salier, c'est que nous voulons augmenter l'arrivée touristique en Haïti. Nous avons regardé que l'année dernière, nous recevons 460 000 visiteurs. Nous avons une augmentation de 11% et l'op comparé en 2013 à 2014. Et ça a démontré que ce secteur-là, c'est un secteur qui a évolué d'année en année. Donc, là, nous avons additionné l'arrivée bateau croisière. Nous arrivons à 1 million de passagers par an. L'op gade par exemple que le Forum économique mondial qui était listé Haïti en 2013 parmi les 141 pays reconnus mondialement comme des destinations internationales touristiques. Jodi an li sorti classification, ça fait un mois et Haïti a gagné 7 points dans la classification. Donc nous voulons que Haïti gagne 10 points l'année prochaine. Mais pour que nous ka fèl, faut nous ka montrer que nous sommes secteur proactif et m'a profité saluer le secteur privé haïtien qui non seulement investit dans un nouveau hôtel en concept de partenariat avec des grandes chaînes d'hôtels internationales. Nous dernier grande chaîne d'hôtels international c'était le Marriott et là bientôt nous bra recevoir bien de très bonnes nouvelles pour Hilton qui va faire boire au port hein. Donc même projet ça a continué pour que finalement yo ca construit infrastructure hôtelière ça de notre côté où jeune des opérateurs les hôtels existants par exemple on prend Moulin sur Mer ou après et ou à oubé tout hôtel ça yo ou ranger chambre yo ou investi dans hôtel là pour améliorer service là ou prend hôtel Concou Club Indigo aujourd'hui parce que c'est plus belle et nouvelle ta ka dans secteur pour fin année côté ou pral gen de Cameroun Club Indigo à partir de novembre te Cameroun son grand chaîne d'hôtel et basé en Colombie qui gon marché très fort avec le marché latino et le marché français et jodi an li pral rouvrir 400 chambres club là donc il pral de Cameroun Club Indico et sur la côte des Orcadins. Donc le n'a gain le moteur secteur privé en marche et il a construit l'hôtel là nous même au niveau de l'État faut nous accompagner tout mouvement ça pour que plus visiteurs ka rentrer la caillou. Donc résultat pour répondre Patrick c'est que nous augmenter nombre de visiteurs yo et qui vient à Haïti pour des raisons de vacances et c'est ça vraiment focus campagne là. Voilà. N'a causé avec madame Stéphanie Balmir Vildrouin, c'est ministre du tourisme en Haïti avec une fonti overview de qui ça secteur ça représente en termes de yon industrie s'il vraiment prend et son envol APD pays a au niveau économique énormément. N'a propose n'a tourné tout à l'heure son édition de analyse.